Là, le temps d'un week-end, on a 120 étudiants du campus qui se glissent dans la peau de négociateurs des Nations Unies. Donc, ils peuvent représenter un pays, une ONG, une entreprise, une collectivité locale. Donc, ils ont fait des recherches approfondies sur la position de cette entité. Ils ont été formés à l'historique et aux enjeux des négociations climatiques. Ils participent à des side events, donc où les acteurs non étatiques présentent leurs solutions ou interpellent les délégués. Et l'idée, à la fin, voilà, c'est d'avoir un accord pour concrètement mettre en œuvre l'accord de Paris donc signé à la COP21 en 2015. Today I represent India in the simulation of COP22. I believe it's just a start of a new tradition and I really feel like it's fruitful. It's not just a thing that we do, you know, for the photos or for the journalists to cover. It's really a learning experience, so I'm really glad that we have this and I'm really hopeful that we are going to expand this to other years and other students as well. Je suis ici pour représenter les intérêts de l'État israélien et je suis dans un panneau qui traite des buts de chaque État pour la COP22. Ma délégation représente le Venezuela, donc c'est intéressant de devoir prendre le point de vue d'un pays qui est vraiment contre les améliorations pour le combat pour le changement climatique et de pas. C'est intéressant de voir comment on arrive à négocier à partir de là. Ils ont négocié sur vraiment l'actualité de la question climatique aujourd'hui. Ils ont pris en compte l'accord de la COP21 l'année dernière et ils se sont mis dans la peau des négociateurs qui sont à Marrakech jusqu'à hier. Nous sommes très heureux de voir comment les étudiants se sont vraiment pris les choses en main sur une question qui les concerne plus que la plupart parce que c'est les générations futures qui vont être impactées le plus par le changement climatique. 120 étudiants, aussi bien du programme Europe-Amérique du Nord que du programme Europe-Afrique, aussi bien des étudiants en première année qu'en deuxième année, et donc des étudiants français comme internationaux. C'est aussi important justement d'innover et de que ce soit les jeunes qui soient à l'initiative des choses, qu'on ne soit pas toujours dans l'attente. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte de tous les enjeux pour après avoir un vrai rôle dans l'avenir. Invest in Orange.